Comme le veut la tradition, débriefons l'événement de la veille qui avait lieu ce samedi du côté de Doomaker. Le grandissime favori, Perfect Spirit, le numéro 12, se montre fautif. Next Direction, le numéro 3, en profite pour s'imposer plaisamment. La minute quintée s'illustre en donnant un joli tiercé or dans 4 chevaux seulement, pour un rapport de plus de 100 euros tout de même. Pour ce qui est du concours de pronos gratuit, le quintet des ors n'étant pas difficile à trouver, beaucoup l'ont emporté. Parmi les lauréats, citons notamment Bouboule, Lolo Viking, Bacalafoua et Blacky, qui s'octroient les 4 premières places du classement général du jour. Bravo à eux! Allez, partons une nouvelle fois au nord de l'Europe et plus particulièrement en Suède pour y étudier un énième tiercé quartet quintet plus pour trotteurs. Le site d'Eskilstuna sera sur le pont en ce lundi 20 avril 2020. Le prix flèche du Yukon, 9e course de la Réunion 1 avec un coup d'envoi donné à 21h15 pétante, mettra à l'honneur des trotteurs âgés de 5 à 10 ans. Au départ du parcours des 1640 mètres, avec lâché des ailes de l'autostart, ils seront 12 à se présenter au starter. Assurément, il y aura une nouvelle fois du rythme. En première position, retenons la candidature de Maze Runner, le numéro 7. Habituellement drivé par un pilote moins talentueux qu'Ulf Olsson, nous pensons qu'avec le crack des rivers suédois à ses commandes, il peut l'emporter. Don't Mind Me, le numéro 3, est un cheval de classe entraîné par le talentueux Daniel Redden. Alors certes, il effectue une rentrée ici, mais comme il a beaucoup de vitesse et un excellent numéro 3 derrière la voiture, il faut lui faire grande confiance. Le numéro en seconde ligne ne sera pas simple à gérer pour le numéro 10, Hazard Boko. Malgré tout, en valeur pure, il doit conclure dans les trois premières ici. Note de méfiance concernant la candidature de Flash Alley Ride, le numéro 11, qui aura pour lui le fait d'apprécier les lieux. Test Drive, le numéro 2, remarquablement placé en première ligne derrière la voiture avec le numéro 2, donc, compte bien prouver qu'il est un spécialiste du mile en trustant l'une des 5 premières places. Difficile d'oublier la candidature de Super Xanthos, le numéro 4, qui a la vitesse suffisante pour briller ici. En cas de non partant, Femme Boko, le numéro 6, introduirait alors notre combinaison en 6 chevaux. Bon quintet plus à tous, les amis, et à demain pour une nouvelle minute quintet. Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de Turf FR, et bienvenue dans la minute quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du lundi 20 avril sur l'hippodrome d'Eskilstuna.